Bonjour, je m'appelle Gérard Klein, j'ai fait de la radio, du cinéma, de la télévision. L'aventure a duré plus de 25 ans. Et puis un jour, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de faire autre chose, qu'il était temps d'aider les autres, d'aider les plus pauvres. Le garçon que vous voyez s'appelle Franck. C'est lui qui nous a fait venir au Népal en nous disant qu'on allait rencontrer des gens formidables et des personnes de grande qualité. Il avait raison. Donc on a rencontré Stéphanie qui s'occupe d'une association qu'on appelle Planète Enfant, qui s'appelle Planète Enfant, qui récupère des petits enfants des rues, des petits garçons, des petites filles, et qui s'occupe aussi de jeunes filles qui ont été kidnappées pour être prostituées en Inde. On a vu Stéphanie, ensuite on a rencontré le docteur Pierre Swed qui est chirurgien orthopédique et qui dans un hôpital de Katmandou a réussi à faire passer le nombre d'opérations de 150 par an à 2000 et l'hôpital lui-même de 15 lits à 150 lits. Tout ça évidemment avec beaucoup de volonté, de bonne volonté et d'argent que lui a apporté notamment ce garçon. Il s'appelle Jean-Claude, qui est tombé fou amoureux du Népal et qui fait des spectacles et qui passe le quart de son année au Népal pour apporter de l'argent. L'argent, il le gagne en faisant ses spectacles et ensuite il donne aux associations qui, évidemment, font le bien autour d'elles. S'était passé, il y a une dame toute seule qui est arrivée sans personne. Oui. En blanc, ils l'ont déshabillée, il lui a arraché ses vêtements enfin pour l'habiller en blanc avec un linceul. Tout à fait, le blanc est la couleur du sacré de toute façon. Et puis, pour terminer ce petit passage rapide dans le Népal, là on voit un monsieur qui marche, nu-pied. C'est ça aussi le Népal, parce qu'il n'y a pas de route. Et tout se fait à dos d'homme. Donc voilà, vous apportez les images, toutes les images que vous souhaitez. Salut.